sénatrice de déposer une proposition de loi qui visait à légaliser la consommation du cannabis et la production, bien sûr. Et donc, même si je ne les ai pas cités, il faut quand même remercier et rendre à César ce qui appartient à César, et donc saluer quand même la conscience écologique. Voilà, et donc là-dessus, je vais me taire, je vais donner la parole pour quelques minutes à nos amis Jean-Pierre, Anne Coppel, qui sont là engagés depuis...